Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis à la pêche, là je suis au bord de l'eau, puis on mange un méchant orage quoi. Donc je me dis que c'est une bonne opportunité pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur. Et surtout d'un sujet pour lequel j'ai pas mal de questions souvent sur Facebook. Je reçois des messages qui me disent: Raphaël, comment je peux faire pour être sponsor? Choses comme ça. Et je me dis que le sponsoring, c'est un sujet dont il faudrait qu'on discute. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être sponsor. Et je pense que c'est une bonne chose d'en discuter. Donc la première chose que je vous dirais, c'est que, et ça franchement j'y tiens, si vous allez à la pêche parce que vous voulez être sponsor, arrêtez d'aller à la pêche, ça sert à rien. On va pas à la pêche pour être sponsorisé, on va pas à la pêche pour avoir du matos gratuit. Quoi, du moins vous faites ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Mais dans la logique des choses et dans ce en quoi je crois, on va à la pêche parce qu'on aime la pêche, on va à la pêche parce qu'on a envie d'aller à la pêche, et on va pas à la pêche parce qu'on a envie d'avoir des hameçons gratos quoi. Enfin voilà, bon ça c'était la petite parenthèse parce que je pense que c'est un truc important à dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce sujet du sponsoring, donc voilà, ça c'est une mise au point, c'est important. Maintenant le sponsoring, qu'est-ce que je peux vous dire? Comment devenir sponsor? Devenir sponsor, en fait, il faut comprendre que le sponsor c'est un business. C'est de l'argent en fait. Le sponsor c'est pas de la pêche, le sponsor c'est de l'argent. Ça fait partie du monde des affaires et ça fait pas partie du monde de la pêche. On peut être sponsorisé dans tous les sports, on peut être sponsor dans plein de trucs. Et en fait, ça n'a rien à voir avec de la pêche, ou rien à voir avec un sport, ou rien à voir avec ceci ou cela. Ça a à voir avec des entreprises, en fait, qui veulent gagner plus d'argent et qui utilisent les gens comme moyen publicitaire, en fait. C'est tout. C'est à ça que ça tient, le sponsoring. Donc maintenant, comment devenir sponsor? Je vous retournerai la question en vous disant, si vous, demain, vous aviez une entreprise, comment vous feriez pour faire plus de pubs pour votre entreprise? Et je pense que cette question résume tout en fait. Pour être sponsor, il faut que vous ayez un intérêt pour une entreprise. Il faut que vous puissiez, que ce que vous êtes, que ce que vous faites, puisse générer de l'argent en fait. C'est ça tout simplement. Donc, pour la pêche, ça passe pas par 36 000 moyens, je dirais. Pour être sponsor, il faut utiliser des moyens qui pourrait générer de l'argent, c'est-à-dire avoir une très grosse visibilité, gagner beaucoup d'enduro, que les gens parlent de vous, attraper beaucoup de poissons qui font sensation, parce que même si vous êtes un excellent pêcheur et que vous attrapez beaucoup de carpes, les gens rêvent sur les très gros poissons, sur les poissons inédits, sur les poissons rares. Il faut générer une attraction, et plus on est attractif, plus on est regardé, et plus on est regardé, plus on a une valeur d'un point de vue d'une entreprise. Voilà, donc je vais prendre des exemples très concrets. Si demain vous avez un mec qui vient vous voir, il ne vous connaît pas, il vous propose « Oh, je voudrais bien te sponsoriser, tout ça, je te donne 20% de réduction sur mes produits. » Ça, c'est pas du sponsoring. Ça, ce sont des offres promotionnelles. Il n'y a pas de sponsoring là-dedans. Le mec qui vous offre 20% de réduction, il a toujours une marge, il gagne toujours de l'argent grâce à vous sur les produits qu'il vous vend. Donc en fait, vous êtes tout simplement un client qui a des promotions, quoi. Vous n'êtes pas un sponsor, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Un sponsoring, c'est normalement, et comme moi je l'entends, une entière gratuité. C'est une entreprise qui investit sur vous parce que vous allez leur rapporter plus d'argent que ce que vous leur coûtez. C'est ça l'histoire. Et c'est pas une entreprise qui essaye de gagner de l'argent en vous vendant des hameçons. Ça ne tient pas la route. Voilà, donc pour être sponsor, c'est facile. Il faut. Quoi, c'est facile. Façon de parler. Il faut réussir à être une attraction, à attirer le regard des gens. Et parce que vous attirez le regard des gens, il y a des entreprises qui vont se dire, écoute, si on investit sur lui, si on lui file tout le matos pour aller pêcher et qu'on l'aide à aller pêcher un max, il va prendre du big fish, il va faire plein de publications, des articles, du Facebook, Instagram ou tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui vont regarder ce qu'ils font, plein de gens qui vont comprendre que ce mec-là, il cartonne. Et comme il cartonne et qu'il pêche avec nos produits, les gens vont comprendre que nos produits sont bons, quoi. Et c'est tout simplement ça. Voilà, donc le meilleur moyen d'être sponsor, c'est aller à la pêche, éclatez-vous, vivez votre passion à fond. Et si un jour vous êtes suffisamment attirant
pour que quelqu'un ait envie de mettre de l'argent sur vous, eh ben, ça viendra naturellement, les gens vous le proposeront, et ça viendra comme ça, voilà. Après, moi, mes tuyaux, c'est, faut écrire des articles dans les Macs qui se vendent le plus, donc tous les gros Macs vendus en France, et encore mieux en Europe. C'est avoir des comptes Facebook avec beaucoup de followers, et des publications qui ont beaucoup de j'aime, qui sont beaucoup suivies. C'est avoir une chaîne YouTube avec, une fois de plus, beaucoup d'abonnés, des gens qui regardent vos vidéos. Avoir un compte Instagram avec plein de cœurs, plein de likes et plein de choses comme ça. Et voilà, en fait, c'est aussi simple comme ça. Maintenant, il faut vivre dans la réalité, il ne faut pas se perdre. Vous aimez aller à la pêche, vous aimeriez avoir du matos gratuit, je comprends, tout le monde a envie de ça. Avoir du matos de pêche, c'est comme être un gamin dans un magasin de bonbons, je comprends très bien tout ça. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on en rêve que ça arrive, et c'est pas parce qu'on en a envie qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Voilà, donc mon meilleur conseil, c'est éclatez-vous au bord de l'eau, soyez passionné, ne réfléchissez pas trop à ça, et si ça doit venir, ça viendra de toute façon, puisque parce que dans l'époque dans laquelle on vit, on a tous des Instagram et des choses comme ça, et forcément notre image est toujours un peu partout, donc j'ai une petite goutte dans mon bivy, voilà, tout va bien. Comme aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde se montre ce qu'il fait et choses comme ça, c'est beaucoup plus évident que dans le temps, ça fait vieux, mais ouais, que 10-15 ans en arrière, où pour être repéré par des grosses marques, il fallait écrire des articles dans des gros mags, et il n'y avait que 15 ou 20 auteurs dans les gros mags, donc c'était super limité. Aujourd'hui c'est différent et c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on a tous la faculté maintenant de se promouvoir, de promouvoir ce qu'on fait. Donc voilà, éclatez-vous au bord de l'eau, faites du fish, publiez-le sur vos Facebook, sur vos Instagram, aimez ce que vous faites. Et si un jour il y a une marque qui se dit, ben merde, ce mec-là, il pêche bien, il est intéressant, il a des belles choses à dire, il est plaisant, il plaît aux gens parce que ce qu'il fait, ça véhicule une bonne image et on veut l'aider à pêcher dans les meilleures conditions et en même temps, on veut que les gens voient notre matos et machin chose. Voilà. Donc c'est tout, c'est mon conseil du jour. À bientôt. Ciao ciao. Voilà les gars, comme je vous disais. Oh. On va à la pêche parce qu'on aime la pêche. Et on va pas à la pêche pour avoir un sponsor. La pêche au sponsor, c'est pas de la pêche, c'est autre chose. Allez, elle veut partir, je la remets à l'eau. On va à la pêche parce qu'on aime la pêche.